Donc salut tout le monde, c'est Oko, pas du tout, on est, je veux dire, pas du tout, on est support, du coup il faut pas que j'achète ça, on va acheter ça. On va acheter des potions aussi. Ouais c'est ça. On va acheter des potions parce que je suis pas chaud. Du coup, on est avec Fiddlestick, support. On est enfin support, après avoir tag mid support pendant des dizaines de parties. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Alors normalement, je joue Brand Zaira, mais contre une équipe comme ça, c'est pas trop possible. Brand, par exemple, contre Vladimir en teamfight, je vais jamais pouvoir le R. C'est chiant. Au fait, 12e et au FFS, oui. Oui, je sais, j'ai fait 12, 13e ou FFS. Je suis pas mécontent de cette performance. Morsit qui finit premier, suivi de Okonai. Donc là, vous voyez, en bas à gauche, là, j'ai 25 de mana flow, en fait. Et rendu à 250, je le répète, hein, au cas où que je mette pas la vidéo sur Galio. Rendu à 250, je vais avoir un passif permanent qui va me donner des trucs assez stylés. Là, j'aurais dû attendre... Oh la vache, ce qu'elle a mangé! Là, j'aurais dû attendre genre 3 secondes avant de le faire. Comme ça, j'aurais pu avoir la stack du mana flow. Attends, je vais essayer de faire proc mon mana flow. Voilà. Et là, on est à 100 déjà. On est presque déjà à la moitié. Encore un et on est à la moitié. Et du coup, en fait, quand on va avoir plus de mana, ça va nous redonner 1% de notre mana manquante. Et c'est quand même pas mal. En vrai, c'est quand même pas mal. Du coup, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je le proc très rapidement parce que le E, c'est très difficile de le rater en vrai. Voilà, là on est à la moitié. Là on est à la moitié. Je vais prendre mon fire au cas où qu'il y ait une vie dans le coin. Ok, là je suis à encore plus que deux là. Plus que deux. Plus que deux, il faut que je garde de la mana pour les deux prochains. Voilà. Très bien. Et là plus qu'un. Et on a le passif en permanence pendant tout le reste de la game. Du coup, on peut l'avoir à. La vaille là. Juste balancer mon E. Avec un peu de chance, ça va rebondir sur l'anami. Ok, voilà. C'est bon, j'ai les 250. Et regardez ma mana maintenant. Vous allez voir que toutes les 5 secondes, je vais avoir plus 8, plus 10. Non, là, ça va être quoi? Ouais, ça va être plus 5. Ça va dépendre de... Parce que j'ai même pas encore 1000 mana, là. Mais si j'étais à 0 et que j'avais 1000 mana, bah, ça m'aurait redonné 10 toutes les 5 secondes. Et un peu moins par la suite. Et là, regarde, ma mana revient vite, en vrai, hein. Ouh ça pique. Non là il est. C'était obvious. Ouais, elle lui reste heal encore. Ok, je suis débile. Je pensais que j'avais mon drain mais j'avais pas assez de mana. Là j'ai assez de mana du coup. La Caitlyn qui n'a pas respecté la vie. La vibe. C'était obvious hein le bait. Ok, ça touche deux fois la Nami. On va se casser. En vrai on met 13 CS. C'est très bien. Je vais mettre une ward un petit peu deep. Genre ici. Et là, il me faudrait mon niveau 6. Ah merde, j'ai fier trop tard. J'ai fier trop tard. Ah merde, je pensais pas me faire toucher. Ah bah, elle a mieux joué, hein. Et non. A plus! Là, le problème c'est qu'on n'a pas de... Ok, je vais utiliser le carapateur, ça va rebondir. Est-ce que je la tue là? Est-ce que c'est vraiment intéressant de la tuer elle? Elle a heal, je donne le kill à Wukong. Ah, c'est bien ça. En vrai, c'est... Bon bah écoutez, on avance tranquillement. Ça rebondit un petit peu. Je vais la fuir bientôt. Oh bah nice, ouais je vais le rush hein. Tant pis si j'ai pas de bot tout de suite, là c'est pas la fin du monde. Là on a un dragon, on a un super dragon pour notre équipe qui est genre full dégâts. Ça c'est vraiment insane. On a un Jax qui est bien, ok il y a juste mon ADC qui est mort deux fois. Peut-être my bad là, j'ai pas trop fait gaffe. Nope. Rires.
J'ai pas ult, j'ai pas ult. Si elle a flash, ce serait du gâchis. Je vais prendre. Je vais monter le fear. Je vais monter le fear vu qu'on a déjà trop de dégâts. Je préfère rajouter du contrôle que des dégâts. Ah merde. Ah merde. Ouais, j'arrive. Bon, ça c'était absolument pas rentable ce que j'ai fait, je pense. Ah. Caitlyn qui commence à être dégoûtée. Ah, qui est morte 3 fois. Bien. Bon, ça va, le Jazz qui met de la pression bot. Nous, on est en train de prendre une tour top. On est en train de prendre le héros de la faille. Tout se passe bien. Je leur fais vraiment beaucoup de dégâts en vrai. Ah merde, putain, il a tellement bien bouffé en vrai. Nice, bien joué. Le Wukong a réussi à la finir, le Vladimir est mort. Ok, ça a bien rebondi là en vrai. Ok, là, on va pouvoir commencer à avancer. Nice, bien joué. Le corbeau qui va toucher, très bien. Ok, ça passe. Ouais, j'ai mal joué, j'aurais dû ignite la vie. Je pensais, j'avais oublié que Tamken, c'est vraiment chiant de... Comme pas possible. Par contre, je peux partir sur une proto-belt. Vas-y, je vais partir sur une proto-belt. Ça va me faire gagner un petit gap closer, c'est quand même stylé. Surtout avec le Ingenious Hunter, je vais vraiment l'avoir tout le temps. Là, le Zonia, je vais l'avoir tout le temps. Parce que là, le Zonia, je rappelle, avec le Ingenious Hunter, au lieu que ça soit 120 secondes, je l'ai toutes les 70 et quelques secondes. Du coup, à presque tous mes ultimes, je vais l'avoir. Et ça, c'est trop trop bien. J'étais mort. Oh, bah attends. Attends en fait là. Ah, je vais pas la tuer, je pense. La vache, ce qu'il a mis. La vache, mais je pensais que c'était une grosse merde le Vladimir. Je le vois jouer et j'ai l'impression qu'il est nul. Et finalement, bon bah. Il a bien joué. Bon, j'ai ult pour sauver un petit peu la situation en pensant. Ah oui, c'est vrai que la Caitlyn est dégoûtée, elle est super toxique, j'avais oublié. Voilà, je fais juste zoner, hein. Je fais juste croire que on n'est pas du tout en train de faire le baron alors qu'on est en train de le faire, voilà, parfait. Parce que s'il y a plus personne sur la carte, ils vont se douter d'un truc du coup. C'est pour ça que j'évite des fois de... Putain, ultra chiant la Caitlyn, putain. T'es en 2-4, t'es nul, laisse-moi jouer. Par contre ça, c'est chaud. On va le fier lui, pour pas qu'il ralentisse les autres. Le Jax c'est top, hein. Ça servait à rien de... Oh la Caitlyn, mon dieu. Ah, perdez pas le baron, les gars. Ok. Je vais aller acheter ma proto-belt, je vais éviter de mourir comme une merde comme eux. Par contre, ils ont pas de bot mercure, hein. Ils ont pas de sandal mercure. Hein. Là, je suis godlike, hein. C'est moi qui doit tout faire dans la game. Mais je peux pas mourir pour aller sauver quelqu'un en fait là. Ouais, je peux pas vraiment t'aider dans des plays comme ça. Bon, l'équipe est en train de détruire la top lane de toute façon. Ok, GG. Et bah GG, ils ont FF. C'est dommage parce qu'en vrai, les joueurs comme Caitlyn, ça me dégoûte en vrai. Ça me dégoûte du jouer. Là, on a gagné. Elle aurait dû juste se taire et jouer. Je sais que j'aurais pu la mute, mais je mute plus ou moins personne, à moins que vraiment tout le monde parle et que c'est le foutoir. Je trouve ça triste des joueurs comme ça, qu'on carry et qui sont quand même énervés dans la vie. GG Wukong là. Il s'est pas énervé contre Caitlyn qui était insupportable. Donc merci. Bon, moi, voyez. Fiddlestick support, ça marche encore très très bien. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que le nerf du E en vrai sur les minions, bah ça aide à pas push trop la wave
à la botlane. Le nouveau mana flow a l'air complètement insane sur le Fiddlestick. Nickel. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé. C'était Fiddlestick Support et on se revoit à la prochaine. Ciao les gens.